Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui j'ai le plaisir de vous retrouver pour vous parler de mon prochain stage. Donc, mon prochain stage de thalassémie qui aura lieu le samedi 29 septembre de 15h à 17h. Donc ce stage il aura lieu au studio bleu du Paris 20e, donc dans une salle de danse avec des conditions optimales pour réaliser ce stage. Pour ceux qui ne me connaissent pas forcément, je vais me présenter rapidement, donc je suis Morgane Lucilla. J'ai commencé à donner des cours de kizomba il y a à peu près 4 ans. Donc j'ai commencé en donnant des cours en couple. Et ma spécialité, c'est la thalassémie. Donc la thalassémie que j'ai d'abord enseignée avec mon partenaire. Et donc j'étais connue pour ça, pour les cours de thalassémie. Et donc après un an d'enseignement en couple, j'ai décidé de me consacrer à ce qui s'appelle le lady styling. Donc à enseigner aux femmes. Donc tout ce qui est mouvement corporel et tout ce qui est technique pour la kizomba, la thalassémie et la jinga. Donc ce stage sera 100% thalassémie. Donc la thalassémie, peut-être que c'est pas un terme qui parle à tout le monde. Thalassémie, c'est tous les mouvements qu'on appelle les mouvements pelviques. Donc ça se passe au niveau du bassin. Et ça se passe sur une musique un peu particulière, donc avec vraiment des influences au niveau de la basse, donc qui va vous donner l'envie de bouger davantage et d'avoir plus de mouvement au niveau du bassin. Donc pour ça, il y a une technique que je vais pouvoir partager avec vous. Et le programme de ce stage, ça va être justement de travailler les différents mouvements qui se font en couple. Donc un truc très important que je voudrais vous présenter là pour que vous sachiez comment va se dérouler le stage. La totalité des mouvements qu'on va voir ensemble, ce sont des mouvements qui s'appliquent directement à la danse de couple. Donc dans la description du stage, j'ai stipulé que c'était une thalassémie de type traditionnel. Qu'est-ce que j'entends par là? Traditionnel dans le sens où on va avoir vraiment des mouvements qui sont naturels et fluides et qu'on va retrouver dans la thalassémie un peu à l'ancienne où les mouvements, c'est vraiment des mouvements du bassin qui restent dans le sens naturel du corps. Donc quand on le voit, ça semble vraiment des mouvements qui ont du flow, donc des mouvements naturels. Et l'énergie qu'on prend pour faire ces mouvements, ça va toujours être l'énergie venant du bas, donc du sol, pour remonter dans le bassin. Donc on aura deux heures de stage ensemble. C'est un stage évolutif, donc ça veut dire que je vais accepter vraiment tout le monde pour ce stage. Même les personnes qui ont un peu plus d'habitude, qui sont plus habituées à danser thalassémie, qui sont plus à l'aise avec ça, vous allez trouver votre part dans ce stage parce qu'on va vraiment travailler sur la technique et vous allez comprendre le pourquoi du comment, tout ce qui est changement de poids du corps, placement des jambes, placement des genoux, la connexion avec la musique. Donc on va vraiment décortiquer pour que vous ayez au bout de 2 heures suffisamment d'informations pour après pouvoir travailler chez vous et vraiment être à l'aise quand vous allez danser en groupe. Pour les débutantes, ce stage il s'adresse aussi à vous parce qu'on va revoir les fondamentaux et donc toutes les techniques élémentaires de thalassémie, donc l'ondulation. On va la détailler, on va la voir ensemble, on va faire des exercices qui vont vous permettre vraiment de vous relâcher. Donc sans stress, on va travailler ensemble, on aura 2 heures pour voir tout ça, donc ça sera tout en douceur. Et donc on sera que 20, donc j'accepte maximum 20 personnes dans mon stage parce que j'ai vraiment envie de pouvoir vous accompagner chacune, vous donner un retour sur votre danse. C'est important pour moi de ne pas avoir trop de monde, de ne pas trop charger les stages. Donc voilà, pour passer un bon moment ensemble, un moment entre filles, un moment de partage et voilà, pour que vous puissiez, que je puisse vous aider à évoluer. Voilà pour le programme du stage. Je pense que je vous ai tout dit au niveau du contenu. Maintenant, je vous laisse juste avec les petits détails d'inscription. Donc, je vais vous mettre le lien de l'événement en dessous de cette vidéo. Donc lien de l'événement, lien d'inscription aux events, donc n'oubliez pas de faire assez vite parce qu'on a 10 places en tarif exceptionnellement moins cher pour le lancement. Et donc voilà, vous êtes vraiment les bienvenus. Et
je vous dis donc à très vite, puisque le stage sera le 29 septembre, samedi 29 septembre de 15h à 17h au Studio Bleu. Donc en attendant, je vous souhaite de passer une très bonne semaine et puis je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!